Une nouvelle annexe de la mairie d'Allières.
preuve que nous sommes une commune dynamique. Et donc on est là pour célébrer le mariage de Natacha et de Romain. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les convives de nous avoir fait l'honneur de monter jusqu'à Allières et d'inaugurer avec nous le premier mariage sous cette halle. C'est le premier de trois mariages dans l'année, puisque malgré la taille réduite de la commune, on a trois mariages cette année. Et c'est le deuxième, le premier a eu lieu il y a 15 jours, c'est le deuxième, et le troisième aura lieu début septembre. Et s'il y a des amateurs, il y a un record à battre, donc il reste des dates. pour les gens qui ne sont pas d'ici, Allières, c'est une toute petite commune, donc du parc des Pyrénées ariégeoises. 74 habitants, à peu près 400 ou 500 vaches et brebis. À peu près autant de cervidés, biches, cerfs, chevreuils et un nombre improbable de sangliers. Voilà. Sinon, c'est une commune dynamique avec des agriculteurs, des apiculteurs et puis des gens qui travaillent à l'extérieur, à Foix, à Saint-Girons. Bienvenue donc à tous sur le nouveau tarmac d'Allières. Vous comprenez sans doute pourquoi j'emploie ce terme. Et donc nous allons célébrer ce mariage et c'est un grand plaisir pour moi. Et je vais vous en faire, j'ai un grand plaisir parce que chaque fois que quelqu'un vient se marier ici, ben pour le maire c'est toujours un peu une émotion. Et surtout dans un petit village, alors dans les grandes villes c'est peut-être différent, mais ici dans les petits villages c'est quand même chaque fois un événement. Je vais vous faire quand même une rapide exégèse de l'aventure de Romain et Natacha et de ce qui les a amenés ici. Tout a commencé il y a quelques années, alors que nos jeunes amis étaient âgés tous les deux de 16 ans. Si je dis des bêtises, vous me reprenez. Il se trouve qu'ils se sont rencontrés sur la banquette arrière d'une voiture lors d'un stage de conduite accélérée. Et le stage de conduite semble avoir réussi, puisque vous vous êtes liés d'affection dès ce jour, et pendant 3 ans, bien que vivant votre vie d'adolescent chez vos parents, vous vous êtes restés en constante relation. Tout roulait donc pour vous, mais au seuil de vos 20 ans, votre amour a véritablement décollé. Bon, vous comprenez que toutes les vannes, c'est parce qu'il travaille chez un musée. Terme que je peux employer, sachant qu'à l'instar de Papa Michel, Romain travaille dans l'aéronautique chez Airbus et Natacha aussi. Et vous avez emménagé ensemble, non loin, à Pujaudran dans le Gers. Vous auriez pu choisir d'y célébrer votre mariage, mais vous m'avez dit « c'est à Allières, sinon rien ». C'est exactement vos paroles. Terre de la famille où tu vins, Romain, depuis ta plus tendre enfance et que Natacha adopta, car il est vrai qu'on y est bien et que tout ici est nature, calme et sérénité. Natacha, tu es née à Toulouse et tu travailles toi aussi à Airbus, au restaurant du comité d'entreprise. Mais auparavant, tu fus esthéticienne et je ne m'étonne pas que, sensible à l'esthétique, tu aies remarqué Romain. C'est là un compliment, mais il te le rend bien. On dit que tu as un caractère très décidé et que celui de Romain est aussi affirmé. Même avez-vous précisé, on s'entend vraiment très bien. Dans la circonstance d'aujourd'hui, cela m'arrange, et si vous pouviez vous entendre pour dire oui tous les deux tout à l'heure, ce serait parfait. Tu aimes cuisiner, Romain prend toute sa part dans le ménage de la maison, je félicite l'homme moderne et nous avons discuté les selles tous les deux. Romain, toi tu aimes le tennis et comme Natacha le ski, mais votre passion commune est celle des voyages que vous avez évoqués. Les îles grecques, la Corse, la Martinique, République dominicaine, Seychelles, Londres, l'Andalousie, les Canaries. Quelle chance! Et une bonne vertu que d'être tourné vers les autres. Tu travailles donc dans la grande maison des avions à Blagnac, où tu es le contrôleur des portes et du circuit de kérosène sur les Airbus qui sortent de la chaîne de production. Une sacrée responsabilité quand même. On imagine mal en plein vol dire « ferme la porte, il y a un courant d'air ». C'est donc là qu'ont poussé les ailes du désir et que votre amour a pris de la hauteur.
mais c'est à Alière que vous allez l'officialiser. Je voudrais, avant de conclure, et avec une certaine émotion, te dire, Romain, que contre toute attente, nous avons un petit brin d'histoire en commun. Car lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse à Alière, au même âge que vous aujourd'hui, l'une des toutes premières personnes que nous avons connues était ton arrière-grand-mère, Louise Marfin, si je ne me trompe pas, c'est ça. Elle grattait son bout de jardin en face de la maison à Escounials, et nous la croisions en montant à Coulmer. Il arrivait qu'elle nous donna des fruits, je me souviens de cela encore aujourd'hui. Et je me souviens de son tablier noir avec des petits pois blancs, c'est une image qui me reste. Et puis il y a eu Joseph et Michel et Nathalie, et de ton côté Natacha, tes parents Thierry et Marie-Laure, que je félicite aujourd'hui. Maintenant, c'est votre vie qui prend un nouvel envol, et je vous souhaite, chère Natacha, cher Romain, le plus grand bonheur qui soit, et un voyage dans la vie en classe premium. Bien, je vais vous demander de vous lever maintenant, nous allons passer au mariage officiel. Non, non, juste les mariés. C'est tout à l'heure. Ils sont tous là. Donc, conformément à la loi, je vais vous lire quelques articles du Code de l'État civil. Donc l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants, s'il y en a, et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues par le Code de procédure civile. Et enfin, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Voilà, après il y en a trois pages, mais en général on s'arrête là. Voilà, donc maintenant je vais vous lire l'acte de mariage, et ensuite que vous signerez, bien sûr, avec les témoins tout à l'heure. Le 29 juillet 2017, à 14h devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Verger Romain Aurélien Maxime, né le 28 mai 1993 à Toulouse, Haute-Garonne, résident chez M. Verger Michel Escounials, 09240 à Lièvre, Ariège, exerçant la profession de agent de fabrication, fils de Verger Michel Jean Raymond, cadre technique retraité, et de Huguenin Nathalie, Jeanne, Josette, assistante de direction, tous deux domiciliés, 7 Clos du Luberon, 31170 à Tournefeuille. Et Théâtre Natacha, Élise Annick, née le 19 mai 1993 à Toulouse, Haute-Garonne, domiciliée appartement 8, Villa Zénith, route de Toulouse, Golf International de Seille, 31846, agent administratif, fils de Théâtre Thierry Paul René, artisan, et de Humbert Marie-Laure, auxiliaire de puériculture, tous deux domiciliés sans route de Cagliaoué, 31600, Lamasquère. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, c'est ça? Non? Ils ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Gauthier Alexandre Michel Pascal, technicien de maintenance, domicilié résidence Tamaris, bâtiment 3, appartement 53-9, chemin du séminaire 31200 Toulouse, de Placard Rémy, agent de fabrication, domicilié 1, impasse Camille-le-Bain, Belin, 31780 Castelginette, de Gérara Magali Élise Christiane, gestionnaire du personnel, domicilié rue Pierre Bello, masse numéro 4, 13320 Bouc-Bel-Air, et de Théâtre Jérôme Gérard Jacques, étudiante, domicilié
La Coupole, bâtiment D, logement 3, 19 rue des Lois, rue des Bois, Tailly, 38 610, JR, témoin majeur. C'est ça. Heureusement qu'elle n'a pas 10. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Denis Puech, maire officier de l'état civil, à Allières le 29 juillet 2017. Voilà, et bien vous voilà mariés, vous avez le droit de vous faire le bisou et d'échanger des annonces si vous le voulez ou s'il y en a. Voilà. Comment ? Et d'abord, je vais vous poser la question cruciale quand même. Natacha Théâtre, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Romain Berger, ici présent? Oui. Monsieur Romain Berger, voulez-vous prendre pour épouse Natacha Théâtre, ici présente? Oui. Bravo. Et bien maintenant, vous pouvez faire le bisou. Quería esa unilla, dio grano tormento. Cannabis ahuba, yo prao minucento. Que y calama de la upardulie, que ma desviat lube. A tus petits drins, los bruts que pujavon, cap a lo plancher, tot que m'arribavon. Casi ver la porta, t'ha sortit lo camp, l'oret que debut. Je réponds par le président des hommes et des hommes.
ne se vante pas, ne se vante pas en règle, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas à s'intéresser, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qu'on t'a vu, ni il trouve sa joie de se prévenir, il supporte les vies, il fait confiance en tout, il espère tout, il en joue tout. L'amour ne passera jamais, pardon. Le Seigneur est en vraie pitié, l'âme à la colère est plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Quand tes œuvres, Seigneur, seront de grâce, et que tes fidèles te bénissent, les yeux pour toi, tous ils espèrent, tu leur donnes un nouveau chemin en temps voulu. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque en vérité, proche du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans son amour. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres quand je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons à toi, Seigneur. Assez. Voilà, le sien devient un être humain. C'est l'être humain, c'est un singe avec une âme. Nous sommes les créatures, mais nous avons les âmes. Les créatures, ils ont besoin de leur environnement, et les âmes ont besoin de leur environnement. Vous avez parlé de l'amour, vous avez choisi les lectures qui parlent de l'amour. C'est rigolo, plaisanter avec les enfants, vous cater, tu es maman, oh oui, mais combien, un mètre, oh non, mon père. L'amour, c'est la chose plus importante. Et on ne peut pas baiser ou mesurer l'amour parce que c'est invisible. Il y a des choses invisibles, spirituelles, et il y a des choses visibles, physiques. Et avec le mariage, nous avons le monde du corps et nous avons le monde de l'esprit. C'est pourquoi vous êtes venus ici dans l'église aujourd'hui faire vos vœux devant le ministre de Dieu, dans la maison du Père. Parce qu'il y a une dimension au-dessus, surnaturelle, une dimension de l'amour. L'Église, les sacrements suivent la nature, le mariage suit la nature humaine d'unir un homme, une femme, et l'Église suit aussi leurs enfants. Dans ce monde, avec tout ce qu'il faut pour la nourriture, pour le corps, pour aussi, c'est le rôle de l'Église de provision toutes les choses nécessaires pour l'âme, pour l'esprit. Et aujourd'hui, vous êtes venus témoigner à ce fait, à la nature et au monde spirituel aussi. L'amour qui est engendré en vous aujourd'hui devient plus grand encore avec l'amour de Dieu dans le sacrement. Qu'est-ce que c'est un sacrement? C'est un signe visible de l'amour invisible de Dieu. Nous avons le tabernacle ici avec l'Eucharistie dedans.
l'hostie, on trouve l'amour de Dieu, parce que l'hostie, c'est Dieu. Quand on baptise un enfant, on verse l'eau sur la tête d'enfant, et l'amour de Dieu agit dans l'enfant. Quand l'enfant regarde un homme, une femme, ils font leur vœu devant le ministre pour exprimer leur amour. L'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu vient demeurer dans leurs âmes. Dans vos âmes aujourd'hui, Dieu vient demeurer comme l'amour de votre mariage, la roche. Et vous baptisez votre mariage sur cette roche aujourd'hui. C'est votre choix. Et maintenant, il y a trois personnes dans le mariage. Natacha et ici le bon Dieu. Donc peut-être que c'est enfant, Père, Fils, Esprit Saint, peut-être que c'est un ajout. Vous voyez, c'est un amour qui est amplifié avec l'amour de Dieu. Et vous savez, quand on aime, on n'a pas que 500 grammes d'amour. Parce que quand on aime, c'est un muscle et on peut faire musculation aussi de l'amour, aussi de la santé. Comptez dans votre mariage de faire une musculation de l'amour et une musculation de la santé, de la spiritualité. Vous attendez aussi avec dans vos familles, avec vos amis ici, de grandir une famille. Et maintenant, aujourd'hui, vous devenez une petite église domestique où tu es le pape. Et tu es le reste. Et on attend de quelques compagnies, quelques enfants des cœurs, et tout ça. Pour faire la quête, les voyages du cœur. Vous faites ensemble l'église domestique. Parce que sans la famille, sans vous, on n'a rien à faire. Nous avons besoin de vous. Vous faites l'église domestique. Et vous avez choisi ça, vous avez choisi de venir ici vers vos peuples, pour moi, le ministère de Dieu, parce que vous comptez que nous faisons l'église domestique. Quand on compte les sacrements, nous avons les sacrements d'initiation, baptême, confirmation, eucharistie, nous avons pénitence, nous avons deux sacrements de mission. Sacerdoce, oui, prêtre sont missionnaires. Mais aussi mariage. Parce que maintenant, vous avez beaucoup à faire un travail dans le monde pour se marier à l'église. Ça, c'est un défi, ça, c'est votre boulot. Et Dieu toujours vous donne la grâce. Où il y a le défi, il y a toujours la grâce. Quand vous trouvez un jour que c'est trop, vous dites à Dieu : je suis marié à l'église, mais pas la force. La donner. C'est votre boulot, mon Dieu, me donner la force. Vous signez aujourd'hui, ils signent aussi tous. Vous avez fait vous faites vos vœux, il fait ses vœux pour vous aujourd'hui, d'être proche et vous soutenir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et un jour son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour Romain et Natacha. Qu'ils soient heureux ensemble, que toute difficulté les stimule, que toute joie partagée les rapproche, que leur nouveau couple soit un lien vivant entre mes deux familles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre prière monte vers toi, Seigneur, qu'ils soient de bons parents, qu'ils éveillent leurs enfants au sens de l'effort, du partage et de la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour les deux familles présentes ici, pour ceux qui n'ont plus de nous, pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour notre monde, qu'ils connaissent la paix et la liberté, qu'ils soient à l'abri de la famine et de la guerre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les époux s'engagent, se promettent à nous mutuels et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'Évangile, du Christ et la foi de l'Église. Romain Natacha bien ainsi que tous les vivres dans le mariage. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a mis, que l'homme ne le sépare pas. Seigneur, bénisse les alliances que nous bénissons dans ton nom, donne à Romain Natacha de se garder l'un à l'autre, une entière fidélité qui demeure dans la paix en faisant ta volonté, qui vive toujours dans l'amour mutuel. Amen.
gli uomini che i sortì de buschet e la campana ramà che scherreggio e cap lievat che cammino tu dret che sembro io da misello da riegio. Una pace in marciata e la gente la vilo che è pas montagnò tu segui, tu tranquille e quando sere su let non è i pas solitari e zaute sperda re che è in caiavari. Et toi, viens.
Alors, vous avez d'abord les régionaux, Midi-Pyrénées,
Et puis il y a une petite famille des régionaux qui s'appelle Airbus en fait. Vachement représenté aussi ce soir. Oui, une grande famille de Toulouse en fait. Ensuite, vous avez des méridionaux, notamment je pense à des Marseillais qui sont rentrés. Ouais! Oh là, oh là! Oh non, là, oh là! Oh. Des Narbonnais. Ouais! Bon, et puis tous ceux qui sont dans le sud. Et enfin, vous avez ceux qui sont, vous savez, juste au-dessus de Montauban, là. Ce qu'on appelle le Grand Nord. Alors là, il y en a aussi. Alors, il y a des Lorrains. Il y a des Vendéens. Ah, ils sont pas nombreux. Et puis, vous avez des gens du centre aussi. Ouais. Ah. Bien, bien, bien. Et enfin, nous avons des Parisiens. Pardon ? Mais le gars, c'est pareil. Ah oui, il y a le gars, excusez-moi, j'ai oublié d'annoncer le gars aussi. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. Et si vous avez besoin de décoder un patois, vous demandez, on a prévu des interprètes, on est bien d'accord. Alors, Natacha et Romain, depuis quelque temps, j'ai vraiment mesuré à quel point vous étiez appréciés, aimés et entourés. Alors comme ça, je pense à l'enterrement de vie de jeunes filles et de jeunes garçons. Quand je vois l'organisation qu'ont fait vos amis respectifs, je dis chapeau. Après, vous avez, lors des préparatifs, ben vous l'avez annoncé tout à l'heure, la famille. Alors je pense à Nathalie, Popov, Gilbert, Philippe, qui ont fait de la musique, qui ont répété des heures et des heures pour la musique. Je pense à Michel, qui s'est occupé, vous n'avez peut-être pas tous vu Allières, mais en fait, le village était magnifique. Ils ont même vu avec les voisins et tout, tout le monde a tendu sa pelouse, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc ça je trouve que c'est magnifique, ça prouve que vous êtes aimé, parce que sinon ils ne le feraient pas, ces gens-là. Ensuite, je pense aux jeunes qui ont préparé beaucoup de surprises, vous allez voir venir, je pense. Je pense également à tous les intervenants, et bien souvent amis les intervenants, hein, qui ont mis tout leur cœur dans les préparatifs et qui, je pense, vont rendre ce moment magique et inoubliable. Donc je dis un grand merci à tous pour votre implication. Quant à votre vie de couple future. Parce qu'elle a débuté il y a de nombreuses années, hein, 5 ans, 4-5 ans, que vous êtes ensemble, que vous êtes installés, et que vous avez eu le temps de vous apprivoiser. Et également parce que l'on voit que vous avez des étoiles de l'amour dans les yeux. D'ailleurs, j'ai emprunté deux petits vers de poésie à Jacques de Bourbon-Musset. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai très bien connu sa sœur, mais qui vont résumer ma pensée. Ça dit, moment délicieux de deux cœurs qui s'unissent, radieux espoir d'un foyer qui se tisse. Merci pour vous. En parlant de foyer, nous sommes très impatients de voir aboutir vos projets, notamment la construction de votre nid douillet qui va bientôt arriver. Et surtout, je crois, je l'espère beaucoup, et je crois que je ne suis pas le seul, elle est où Nicole? Eh bien, j'espère moi personnellement que vous allez agrandir votre famille rapidement. Et je ne suis certainement pas le seul. D'ailleurs, Romain, à ce sujet, je te remettrai la clé tout à l'heure, puisque tu m'as assuré que depuis 4 ans, tu n'avais pas consommé. Alors, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais conclure en vous demandant une toute petite chose à tous. Ce soir, ne pensez plus à rien. Laissez-vous porter, éclatez-vous, rendez cette soirée inoubliable. Bonne soirée et vive les mariés. Salut.
connais bien l'intention, c'était mon village, et ma tâche en je voudrais vous féliciter, vous remercier. Vous remercier de vous marié au village, et alors si vous démarrez là, Romain, ça m'a fait vraiment plaisir, ma mère l'a rappelé. Ça va assez bon souvenir pour notre famille, toute la famille. Je voudrais remercier aussi le gendarme, Beaumoulin. Bon, il me fait dire que tous les bébés qui ont été distribués, c'est les mariés qui ont pas le bonheur. Pouf. Ah bon, voilà. Bon, merci Manu. Merci à l'attraction, Fabrice. Il y a eu quelques petites difficultés dans les virages derrière pour faire des musiques. C'était pas mal. Vous ne l'avez pas vu derrière, mais nous on avait quand même l'attraction, on est passé près de dépenser. Donc, je voudrais remercier aussi la famille Natacha qui a vu de loin, parce que organiser un mariage, Romain et Natacha l'a rappelé, c'est bien, mais on a dépassé beaucoup de demandes et on vous remercie beaucoup. Se retrouver dans une salle comme ça, c'est ça de la miesse. Et je pense que la soirée, les jeunes vont nous réserver beaucoup de choses. Ensuite, je voudrais remercier la musique. La musique, c'était Popov, mon père, on l'appelle Popov, vraiment. Comme ça, c'est russe, mais on l'appelle Popov, on ne dira pas pourquoi. Philippe, et surtout Nathalie. Parce qu'il y a un livre qui a été fait avec trois Romains et Nathalie, je veux parler au village derrière, à condition de toujours bien nous dans les engagements. Donc, bravo. Romain, je vais rester quand même devant toi parce que je vais refaire un peu ton parcours. Ouais. 1993, le 28 mai, des souvenirs énormes, mais ça il faut que je vous le dise. Nathalie était déjà à la clinique, et Romain avait débarqué sur terre et allait atterrir. C'est pas pour ce soir, mais à 3h du matin, le téléphone. Vite, il arrive, vite à cette précipitation. Mamie me téléphone, je veux venir, je veux venir. Et nous voilà partis sur les périphériques de Toulousain. À 200 km/h, avant Peugeot, sans soupape injection, Romain est arrivé dans cette vie avec sous un air de Vivaldi, l'air des quatre saisons. C'était le nouveau bonheur, magnifique. Et là, on garde très bien souvenir. Alors, Romain, jusqu'à l'âge de 5 ans, très sage, on n'a pas entendu Karine sans rien s'en souvenir. Ça s'est un peu agité un peu, quand il est parti à l'école. Ça s'est un peu bien agité avec son frère Florent dans le rond-point des jeux avec les grands. Ce qui est arrivé quand même la qualification d'aller à l'école des lieux de retard chez les sœurs. Et ta vie a été, ta jeunesse a été baignée avec le sport, l'école de musique, un peu l'école, bien sûr, mais beaucoup le sport. Qu'est-ce que j'étais fier quand j'étais inscrit à l'école de rugby de Bourgogne? Je vais dire ça avant longtemps, parce que tu as eu deux coches naturelles que je voudrais souligner, ces papiers amis qui ont fait beaucoup énormément pour toi. C'était merveilleux, mais par contre, ils t'ont enlevé du club de rugby de Bourgogne, ça ne correspondait pas avec l'école de musique, et là, j'avais peur que tu te fasses utiliser, je pense. De là, tu es parti au Troc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Troc, c'est 12 Olympiques en relation au club. Est-ce qu'il paraît que le président du droit fera son comportement? Et Romain m'a baigné dans le sport, il m'a choisi le tennis, qui est très son sport favori. Et là, avec la famille, et moi le premier, nous avons rêvé. Et nous avons rêvé parce que de là, le droit qui est parti en sport de salle cousin, et on a vraiment rêvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 ans, Romain il me dit je veux rentrer au lycée et mon Vicarius. Au mois de septembre, parce que Romain est très septembre, vous allez comprendre pourquoi. Pendant sa période scolaire au lycée Airbus, des stages sont organisés, il y en a un qui s'est organisé, le maire l'a rappelé tout à l'heure, le stage de conduite en 15 jours. Il est revenu avec l'autorisation de conduite, mais il n'est pas revenu avec l'autorisation de conduite, il est revenu avec un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, pendant 18 mois, il a galopé sur les réseaux sociaux, Facebook. Mais nous, on s'est dit, mais qui c'est qui a derrière cette étoile mystérieuse? Et là, pour le mois de juillet, même aujourd'hui, le soleil, on partait à Nathalie manger chez des amis.
Et on a vu ici qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse. Natacha. Le mois de septembre, d'ailleurs je vais t'acheter le disque de Gilbert Deco, c'est en septembre, il faut écouter les paroles. Au mois de septembre, ils arrivent à la maison tous les deux. Bon voilà, nous avons décidé de vivre ensemble. On va passer 3 jours chez papa et maman, 3 jours à trouver fin chez nous, et le 7e jour, c'était le transfert. Paraît-il, on ne connaissait pas la partie adverse, ils avaient validé. Nous, on n'a pas eu le temps de naviguer, l'autre est pour nous. Bien et bien qu'on a vécu des moments merveilleux. Mais vous aussi. Quelques temps après, ils sont partis à l'appartement. C'est ce qui nous appelle aujourd'hui. Donc, même plus personnellement et plus sérieusement, je vais quand même te remercier. Je veux te remercier pour tous les bons moments que nous avons passés. On en passera d'autres, je suis sûr. Mais je vois ce qu'on a fait depuis 48 heures là-haut avec toutes les copines des amis, mais vraiment, c'est tu nous as touchés. Merci pour ta gentillesse, ton sourire, ton savoir-être. Petit, on t'a montré le chemin. On t'a tenu la main. Grand, on t'a montré le chemin. Mais surtout, ne verse jamais le moindre doute, c'est ça, chez toi. La vie n'est pas toujours facile, continue de le chemin. Tu sais, c'est comme la vie, comme l'étape du Tour de France. Il y a les étapes de plat, les étapes de montagne. Mais aucune montagne n'est infranchissable. Et Arena Natacha a beaucoup, beaucoup confiance en vous. Et quelque part, je vais vous faire une déclaration que vous aimez beaucoup. Donc, j'espère que vous avez passé de très bons moments. Je sais que vous avez un projet. En septembre. Devrait démarrer le projet de votre maison. Quand on fait le nid, on fait le nid. En principe, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, c'était avec Nathalie, c'était notre histoire. Et maintenant, c'est une nouvelle histoire qui commence pour vous. Et profitez-en bien, profitez-en bien, et surtout de la soirée, inoubliable pour ce soir. Gros bisous à tous les deux. Et c'était une nouvelle histoire pour vous. Natacha et Romain, c'est d'abord une rencontre sur les bancs du code. C'est là où tout a commencé. Ouais. Tourne, tourne dans ma tête. Mon code est ma télécommande. Je te jure que vraiment ça me bande. J'ai qu'une envie, c'est t'en passer. À tes côtés, ne conduis juste pas mon Golfo. J'ai un gros doute sur tes créneaux. Viens, on s'en va. Merci, votre vie. Vous avez réussi à vous accorder avec vous.
maniaque dépressif. Passer la suite de la nuit.
on aimerait que tout le monde se lève et chante cette chanson avec nous pour Natacha. Tout le monde la connaît, vous pouvez chanter. Mesdames et messieurs, applaudis, c'est comme il se doit Magali et Clémence qui ont été à l'initiative de ce magnifique texte à chanson. Et les garçons également, les garçons quand même, hein, parce qu'ils ont beaucoup bossé les garçons aussi. Hein.